Abdoulaye Biotchane sur l'axe Guessou Sud, Fobouré, Sinandé. Le ministre d'État vient de faire plus de 3 heures de route sur un axe routier de 59 km. Nous sommes ici sur le pont de Dia-Dia. Ici, nous sommes sur un ouvrage d'art qui, je ne suis pas sûr, va tenir encore pendant longtemps. Et donc, je suis venu non seulement constater cela, mais dire à la population ici de Sinandé que nous allons accélérer la construction de la route Guessou Sud-Sinandé qui était déjà dans le programme d'action du gouvernement. Les dernières pluies diluviennes ont contribué à la dégradation avancée de la route Guessou Sud-Sinandé. Des inondations d'habitations et des cultures sont également signalées. Le ministre d'État à Sinandé est porteur du message de compassion du gouvernement et des annonces du chef de l'État à l'endroit des populations. Dans la commune de Sinandé, les voies d'accès à la commune qui étaient déjà dans un état de dégradation avancée sont difficilement praticables. Nous venons de vivre ça nous-mêmes. C'est face à cette situation que le président Patrice Talon m'a chargé de cette mission spéciale à l'endroit de la population de Sinandé. Le président Talon m'a dit de venir vous dire que cette voie va être bitumée dans les mois qui viennent. Le président de la République, Patrice Talon, m'a chargé de vous dire qu'un soutien spécial va être accordé aussi aux populations les plus affectées par ces situations. Ces informations réjouissent les habitants de Sinandé. Nous ne pouvons que prier pour notre président sauveur et lui dire d'avance grand merci. Au nom de toute la population de Sinandé, nous lui réitérons notre soutien sans faille, car il est le seul qui, pour la première fois dans l'histoire de Sinandé, prend l'engagement de combler l'attente et sauver l'honneur des habitants de cette commune restée longtemps orpheline politique. L'émissaire du gouvernement profite de la présence des différentes couches sociales à cette rencontre pour exposer les projets inscrits dans le PAG pour occuper les jeunes et les femmes afin de les rendre plus autonomes financièrement.